Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Comme à tous les samedis, on rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup, notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle, et Marcia. Bonjour tout le monde! Bonjour sœur Angèle! Bonjour, au rendez-vous! Oui, on aime ça vous avoir là, ça nous fait vraiment très plaisir. Il y a des gens qui, pour qui on est la seule visite dans la journée, sœur Angèle. Oui. Hein, on vous l'a dit, ça. Absolument. Puis on commence tôt le matin. C'est parce que dès que je me réveille et quand je t'aperçois, toi aussi, tu me trouves dans cette belle journée. J'adore ça, sœur Angèle, quand vous chantez ces hymnes de joie. Il y a deux jours, c'était la journée internationale de la solitude. C'est pour contrer la solitude à travers le monde. Et on sait que les gens, et plus souvent, c'est dommage à dire, c'est plate à dire, mais plus on avance en âge, plus on est susceptible de vivre des contextes de vie où il y a la solitude. C'est pour ça qu'on a mis un couvert pour parler, pour dire aux gens... Aux gens que vous êtes invités. Est-ce inviter quelqu'un? Des fois, moi, souvent, il y a quelqu'un qui m'arrive, il est midi moins cinq, puis là, j'arrive, je suis en train de me préparer. Mais dans ma pensée, j'en fais toujours plus qu'une personne. Mm-hmm. J'en fais pour deux, trois. Je me suis dit, j'en aurai pour demain. Et si quelqu'un arrive, je dis, mais saviez-vous que j'arrivais? Non. Mais ça me fait plaisir que vous partagez avec moi. Et il ne faut pas attendre des occasions, des événements spéciaux pour dire à quelqu'un, viens donc casser la croûte avec moi. Non. Viens donc manger une bonne soupe. Non, c'est ce qui arrive, c'est que tu ne feras rien. Tu ne feras rien. C'est la spontanéité. Voyez-vous, avant-hier, j'étais en train de préparer mon souper, quelqu'un m'appelle, il dit, c'est la fête d'une telle, aimeriez-vous ça? On aimerait ça que vous soyez avec nous, on va aller vous chercher tout de suite. J'ai laissé mon souper là, et je suis partie, et la personne a dit, vous avez pris le temps de venir me voir, me souhaiter bonne fête. Les plus belles rencontres, les plus beaux moments, moi en tout cas, j'ai toujours trouvé ça, c'est les moments improvisés. On rencontre quelqu'un à l'épicerie, puis on dit « Ah, viens donc, ça fait longtemps qu'on ne sait pas, viens jaser, viens-t'en. Ah oh, oui, mais là, mon souper est presque prêt. Mais c'est pas grave, tu le mangeras demain. C'est la vie, créer des occasions. Parce que même, moi, je vais te dire, même dans l'avion, il y a quelqu'un qui m'a dit « Vous ne me connaissez pas? J'ai vu dans l'avion. » Ah bon? C'est très bien, mais ça n'a pas d'importance, que ce soit ce que ce soit. Moi, je me dis, attends, tiens, prends une petite tasse d'eau chaude, mais réchauffe-toi le cœur et t'es bienvenue chez nous. C'est ça. Je coupe cette solitude, parce que plus ça va, plus il y a de la solitude. Partout, partout, même dans les couvents, parce qu'on diminue, et plus on diminue, plus les gens se retirent dans leur chambre, une chance qu'ils ont la télé, et puis ils prient. Et puis c'est tout. Mais là, je pense qu'il faut s'ouvrir, être une présence plus forte et être plus accueillant. Et passer par-dessus la gêne. Il y a des gens qui disent « Oui, mais ça me gênait de l'inviter. » Oh, ben là. Non, mais il y a c'est beaucoup vrai. De personnes. T'as raison, t'as raison. Moi, il y a beaucoup qui me disent ça. Ça m'aurait gêné d'inviter telle personne, je ne la connais pas beaucoup. Alors, ne vous gênez pas. Vous êtes les bienvenus à notre table et j'espère que les gens sont les bienvenus à la vôtre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie-Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charron. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charron. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulin et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je suis tellement content de vous parler de ce cadeau du mois de janvier 2020. Il s'agit d'un livre que j'ai écrit qui s'intitule « Demandez et vous recevrez. Ayez l'audace de croire en l'impossible ». Imaginez, c'est l'édition de 2020 parce qu'il a été, il a paru avant. Déjà plus de 30 000 personnes se sont procurées. Et je vous en parle depuis quelques semaines, mais il y a même une dame, je crois qu'elle est rendue à plus de 100 copies parce que ce livre a changé sa vie et elle en donne autour d'elle pour que, justement, la vie de ses amis puisse changer. Et moi, je vous le dis, si vous mettez en pratique ce qui est écrit dans ce livre-là, vous ne prierez plus jamais de la même façon et vous allez même être surpris de la façon que vous allez prier et de voir vos prières être exaucées. Parce qu'il y a des... Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Jésus nous donne des secrets, mais malheureusement, on ne les met pas en pratique. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécure et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous redonne le titre du livre, « Demandez et vous recevrez ». Ayez l'audace de croire en l'impossible. Je vous remercie de tout mon cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, un nouveau venu dans la Victoire de l'Amour, Emmanuel Roy. Bonjour à toi qui nous regardes aujourd'hui. En ce vendredi, nous allons méditer un passage de l'Évangile selon saint Marc. Jésus ressuscité dit aux apôtres, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. » Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront un langage nouveau. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Alors, il est intéressant de voir comment l'évangile du jour correspond à la fête que nous célébrons aujourd'hui dans l'Église. Aujourd'hui, nous fêtons la conversion de saint Paul apôtre, qui avant d'être reconnu comme étant l'apôtre des païens, a été pendant longtemps un persécuteur des premiers chrétiens. Il va falloir que saint Paul vive cette rencontre avec le Christ ressuscité, rencontre bouleversante, foudroyante, qui va transformer sa vie, et qui va faire qu'il mettra sa vie au service de l'Évangile, à l'annonce de la parole du Christ. Saint Paul va devenir un véritable apôtre missionnaire qui va entreprendre de nombreux voyages pour annoncer la bonne nouvelle. Il ira jusqu'à donner sa vie pour cette bonne nouvelle. Et aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter un instant sur le sens de cette bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle que Jésus nous envoie proclamer ? Depuis quelques mois, j'ai un apostolat à la prison de Bordeaux,
et j'essaye à ma manière d'annoncer cette bonne nouvelle aux prisonniers que je rencontre. Et pour cela, moi, je les interroge en leur demandant « Qu'est-ce que vous pensez de l'Évangile ? Qu'est-ce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ ? Qu'est-ce que le christianisme ?» Et j'entends souvent cette même réponse, que le christianisme est en fait une religion avec un ensemble de règles, de lois à accomplir, et que si on les accomplit, on pourra être sauvé, on pourra aller dans ce qu'on appelle le paradis, et puis si on n'accomplit pas ces règles, eh ben on ira en enfer, et où on va brûler pour l'éternité. Et c'est là où j'interviens, et j'aime les provoquer un petit peu, en leur disant que le christianisme, c'est pas ça du tout. Le christianisme, c'est bien plus que ça. C'est une rencontre, comme saint Paul, c'est une rencontre avec une personne vivante, avec le Dieu trois fois saint qui s'est fait homme. Et cette rencontre, elle est bouleversante parce qu'une fois qu'on l'a faite, on se rend compte qu'on n'est pas en train d'appliquer un ensemble de règles, de lois, pour pouvoir être sauvé. On n'est pas en train de suivre l'enseignement philosophique d'un sage pour pouvoir être heureux. Mais on marche à la suite d'une personne vivante qui veut notre bonheur, qui marche à nos côtés, pas par pas, à notre vitesse, et qui désire partager chaque instant de notre existence. Le grand désir de Jésus, c'est de devenir notre confident, notre meilleur ami, celui avec qui on va pouvoir tout partager. Donc, comme je te l'ai dit, Jésus souhaite nous communiquer son bonheur, souhaite nous communiquer son amour, et pas un petit bonheur qui va durer juste un instant, il souhaite nous communiquer son bonheur ici-bas, et dans la vie de l'au-delà, pour toute l'éternité. Saint Paul le dira lui-même, c'est ce que je rappelle aux gars quand je les vois, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Esprit-Saint ?» Voilà encore une fois la bonne nouvelle que Jésus veut réaliser en nous. Notre cœur, notre âme est appelé à devenir son temple. Plus qu'un temple, Jésus veut que nous devenions un véritable sanctuaire dans lequel la Trinité va pouvoir venir reposer. Il souhaite que nous puissions nous entretenir avec lui. Il souhaite que nous puissions avoir une relation, un échange avec lui durant toute notre existence terrestre. Et cette relation va être en quelque sorte un temps de fiançailles, un temps de préparation pour le grand jour qui viendra au moment de notre mort, au moment du passage dans l'au-delà, où Dieu va vouloir épouser notre âme. Voilà aussi cette grande et belle nouvelle, Dieu, ce Dieu tout-puissant qui a tout créé, ce Dieu d'amour, désire s'unir avec nous pour l'éternité et souhaite vraiment que nous puissions nous marier avec lui. Et c'est important de saisir cela, ça change encore une fois tout notre regard sur le christianisme. Le christianisme n'est plus alors un ensemble de règles de vie morale, mais on peut découvrir dans le christianisme une véritable religion du cœur à cœur, dans lequel Dieu souhaite faire qu'un avec nous, dans cette union d'amour qui se réalisera dans l'au-delà. Je l'ai dit tout à l'heure, Jésus veut notre bonheur. C'est pas parce qu'il veut notre bonheur que cette vie ici-bas va être facile. Pour grandir dans l'amour, on sera amené à connaître des épreuves, mais c'est à travers ces épreuves qu'on va pouvoir se dépasser et grandir. Donc, demandons à Jésus cette grâce de pouvoir grandir dans l'amour. Demandons aussi cette grâce d'une conversion plus profonde pour prendre conscience de la grâce que nous avons de pouvoir participer à cette bonne nouvelle. Que Jésus nous bénisse et nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Comme je vous disais hier, il y a des gens qui nous marquent dans la vie et dans les personnes que j'ai rencontrées en studio. Et demain, c'est Sœur Catherine Aubin. Elle est religieuse. Elle habite en Italie, à Rome. Et elle a écrit un livre absolument extraordinaire qui s'intitule « Les sept maladies spirituelles ». Moi, je vous le dis, l'entrevue dure comme toujours à peu près 10-15 minutes. Je l'aurais écouté pendant des heures, tellement c'était clair, c'est intéressant et j'ai tellement appris. Manquez pas ça demain, vous ne le regretterez pas. À demain. Bye. Effectivement, pendant beaucoup de siècles, on a plus centré sur le péché au lieu de centrer sur la grâce. Car ce n'est pas le mal qui est originel, mais c'est le bien qui est originel.